c'est le bec rouge. C'est le bec rouge. Puis-je vous l'emprunter pour cette danse? Vous portez mes couleurs, un souvenir des plaisirs que vous m'avez donnés. Le croque en jambe maintenant. Comment nommerons-nous ce plaisant danseur? Acceptez le titre de marquis des Antipodes. Pour une telle dignité, il faut bien du mérite. Oui, il n'en manque pas, à l'instar des habitants de ces contrées, il danse la tête en bas. Marquis des Antipodes, comme c'est ingénieux, digne d'un Voltaire. Nous finirons bien par savoir qui vous êtes. Le loueur de masques nous renseignera. Ne vous donnez pas cette peine. Demain, des enfants de chez moi vont mourir, et ils mourront de ce ridicule qui m'éclabousse aujourd'hui. Vous enviez l'esprit mordant de Monsieur de Voltaire. Le grand homme aurait pleuré, lui, car il était d'une ridicule sensibilité au malheur humain. Qui sera la prochaine victime? Qui recevra en pleine face un trait si spirituel qu'une famille tombera dans la précarité? Vous? Vous, peut-être? À moins que vous n'ayez le bonheur de cracher un bon mot à la figure de votre voisin. Monsieur, ôtez votre masque! Chacun ici aimerait connaître l'auteur de Marquis des Antipodes. Je retourne à mon pays pourri, madame. Me placer là-bas. Je ferai des canaux, je monterai des digues. Je creuserai la vase de mes mains s'il le faut.